calculer l'intégrale de x sinus x de moins 12,57 à 6,28. Hop. Alors, le domaine, c'est R. Le domaine de la fonction, c'est R. Les racines, ben, c'est tout ce qui va... Tout d'abord, on a une première racine en x égale 0. Et bien sûr, tout ce qui va annuler sinus x. Et le sinus, il s'annule en 0 plus capi. Donc le sinus, il s'annule ici et là. Parce que le sinus est plus 1, moins 1. Il est plus, plus, moins, moins. Donc il s'annule ici, ici. Donc en 0, les racines sont en x égale... De toute façon, le 0, il est repris dans le sinus aussi. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas besoin de regarder pour le x. On sait bien que on sait bien qu'il s'annule pour x. Le x s'annule pour 0, mais le sinus, il s'annule aussi pour 0. Donc tous les deux s'annulent pour 0. Donc les racines sont en x égale 0 plus capi, c'est-à-dire en capi. Les racines sont en capi. Et là, si vous regardez bien, 6,28, c'est 2 pi. Là, c'est moins 4 pi. Donc, c'est de moins 4 pi à 2 pi. Alors, voyons voir la parité. X est une fonction, c'est une droite, x. X est une fonction impaire. Voilà. X est une fonction impaire. Sinus x est une fonction paire. Impaire, je m'excuse. Impaire. Impaire. Et les deux fonctions vont donner une fonction paire. Deux fonctions impaires vont donner une fonction paire. G. Ouais, la fonction là est bien paire. Donc si x sinus x est paire. Alors, je viens de le dire, les racines, elles vont, c'est tous les capis, tous les capis. Donc on aura moins 4 pi, moins 3 pi, moins 2 pi, moins pi, 0 pi, 2 pi. Voilà, et il faut aller jusque-là. Comment voit-on aussi qu'elle est paire? Ben, f de x, c'est x sinus x. F de moins x, c'est moins x fois sinus moins x. Et ça, c'est moins x fois sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, on aura plus x sinus x. Donc, c'est la fonction de départ. Donc, on a f de x égale f de moins x. Donc la fonction ici, elle est paire. En conséquence, on a un axe OY qui est l'axe de symétrie orthogonale de la fonction x sinus x. Donc on a bien une fonction paire. Donc une fonction x est impaire, sinus x est impaire. Et le produit des deux donne une fonction paire. Bon, calcul de la primitive. C'est une primitive par partie, je vous le dis tout de suite, on le voit tout de suite, hein. X sinus x. Le tout, c'est de bien choisir qui est x, qu'est-ce qui est f, qu'est-ce qui est g. X sinus x, différentiel de x, f, f prime, g, g prime. Bon, on va prendre. Si je prends f égale x, donc on aura f égale x, donc celui-là c'est f, celui-là c'est g prime, donc sinus x c'est celui-là, et donc là on va faire la dérivée, ça fait 1, là on va faire la primitive de sin, c'est moins cos. Ouais, parce que la dérivée de sin c'est cos, la dérivée de cos c'est moins sin. Mais si vous faites la primitive de cos, c'est sin. Mais si vous faites la primitive de sin, c'est cos. Mais le moins là, il vient là. Donc ça fait moins cos.
Donc là, primitive de sin, c'est moins cos. Donc on a égal à f fois g moins la primitive de f prime g. F fois g, c'est moins x cosinus x, c'est celui-ci, moins x cosinus x. Moins x cosinus x, moins, et le f prime g, c'est moins 1 fois, enfin 1 fois moins cosinus x, c'est fait moins cosinus x, moins par moins, ça fait plus, et c'est la primitive de cosinus x, il faut chercher la primitive de cosinus x. Donc moins par moins, ça fait plus. Alors, primitive de cosinus x. Alors, dérivée de sin, c'est cos. Primitive de cos, c'est sin. Primitive de cos, c'est sin. Et donc, on aura sinus x moins cosinus x. Voilà. Alors, on va regarder après ça. L'intégrale de h sinus x moins x cosinus x. C'est bon. C'est bon. Alors maintenant, on va mettre les racines. Alors, je vous ai dit que les racines, c'était, voilà, tous les pi. Tous les pi. Donc je vais mettre les racines de h. Alors, comment je vais calculer l'aire? Ben, vous voyez, comme elle est paire, la fonction, elle est paire. Donc je dois aller de a à f. Donc le h, j'en ai pas besoin. Je dois aller de moins 12,57 à 6,28, donc de moins 4 pi à 2 pi. Alors, moins 4 pi, voici, c'est A. Moins 3 pi, moins 2 pi, moins pi, et alors il manque le 0, 0 ici. Je vais mettre le 0,0, je sais pas pourquoi il l'a pas mis. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Vous enlevez chaque fois pi. Pi, il y a 3,14. Puis il y a pi, e, 2 pi, qui est f, 3 pi, qui est 9,42, et 4 pi, qui est 12,57. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais calculer comme les repères, enfin, je m'excuse, comme la fonction est paire. Bien sûr, il faut compter les parties négatives, positives, négatives, positives. Voilà, je vais calculer de A à 0. De A à l'origine. De A à l'origine. Et puis, après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire x2. Et si je fais x2, j'aurai jusque H. J'aurai jusque H. Ouais, c'est pas la peine de faire ça parce que je vais retirer que 2R. Alors, par exemple, je peux soit additionner 2R, qui est l'aire de l'origine à E et de E à F, ou je fais toute l'aire de A à l'origine, fois 2 pour avoir les deux, et j'enlève à ce moment-là l'aire de HG et l'aire de GF. Bon, on va pas trop chipoter, on va faire, voilà, on va faire l'aire de AAO, et puis puis on va faire OE et OEF, c'est pas un problème. De toute façon, OE, on l'aura, une fois que vous avez DO, vous avez OE, une fois que vous avez CD, l'aire entre CD, vous aurez l'aire entre E et F. Donc, on va tout avoir. Donc, là, la fonction, elle vaut CP. La fonction CP. Donc, si je fais P A moins
Ouais, bon, autant avoir l'air direct. Hein. C'est du calcul numérique. Bon, vous devez faire PA moins PB. Et puis PB moins P, puis PB moins PC, puis PC moins PD moins PA, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, ben ici, je vais faire directement par calcul intégral. Bon, on va faire l'intégrale directe. De toute façon, c'est la même chose. Ça va être du calcul numérique. Donc, la fonction, c'est P. On va aller de XA à XB. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, ça. Ouais, parce que c'est pas P. C'est F. C'est H. C'est H. Ah, ça, c'est bon. C'est H. Voilà, là, on a une aire de moins 21, 29. Je fais la même chose. Dupliquer la saisie de XB à XC. Ah, j'ai raté mon coup. XB à XC. Voilà, ici j'ai fait directement de XB à XC parce que bon, les deux heures elles sont positives. Hein. Enfin, XB. Enfin, je voulais dire je peux faire de CAD direct. Hein. Voilà, je vais faire de CAD direct parce que les deux heures sont positives. Depuis qu'il a saisi de C. D. Voilà. C'est AD. Alors maintenant, l'autre, je peux. Le B, il vaut. L'aire de D, elle veut moins 9,42. Voilà, elle vaut moins 9,42. Vous n'êtes pas obligé de la calculer. Si une fois que vous l'avez trouvé une fois, vous n'êtes pas obligé de la calculer. Bon, bah, moi, ici, je veux bien le faire parce que vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire dupliquer la saisie. Et on va aller de D à E. Voilà, et si je retire, voilà, ça c'est l'air, je retire la fonction. Donc l'air, la voici. Donc maintenant, il faut faire l'addition de tout ça. Donc vous devez faire 1571, c'est A, moins 942, c'est B. Donc je vais faire moins B, plus C, moins D. Voilà, et l'air fait 40,84. Cet air-là fait 40,84. 40,84. Donc 9, 18, 18, 15, 30. Et 9, 10, ça fait 40. Voilà. Je vous remercie.